Guide de randonnée des auberges au bord de l'eau. Le lac d'Amer. Première année, premier numéro, novembre 2019. Date de parution, 1er novembre 2019. Quand je vois le lac, je n'ai plus besoin de la mer. Avec des informations sur les auberges au bord de l'eau, les sentiers de randonnée, place de parking de randonnée, les toilettes, wifi, piscines intérieures avec des douches chaudes, les laveries automatiques. Qu'est-ce que le guide de randonnée des auberges au bord de l'eau ? Le magazine en ligne. Le magazine en ligne est publié mensuellement, coûte 1 euro par numéro et couvre un domaine spécifique. L'édition annuelle. L'édition annuelle est publiée chaque année. L'édition en ligne coûte 10 euros. Vous recevrez les 12 numéros de toute l'année. Le premier numéro annuel a été publié le 1er novembre 2020. Le guide de randonnée des auberges au bord de l'eau contient les informations suivantes. Auberge au bord de l'eau, café, restaurant, snack, avec au moins une place assise ou debout avec vue sur l'eau. Place de parking de randonnée, sentier de randonnée, toilettes, wifi, piscines intérieures avec des douches chaudes et laveries automatiques. Le lac d'Amer. Impression, information, intérêt. Allons-y. Comment est structuré le guide de randonnée des auberges au bord de l'eau? Blanc, aperçu. Vert, présentation du prochain emplacement. Rouge, place de parking de randonnée. Jaune, sentier de randonnée. Bleu, auberge au bord de l'eau. Violet, toilette, wifi. Piscines intérieures avec des douches chaudes. Laveries automatiques. Place de parking randonnée au bord du lac, en bord de forêt ou en ville. Je m'engage à nettoyer les places de parking. Si je vois des déchets dans un parking, je les mets dans un sac et je les prends avec moi. Participez. Que peut-on trouver autour du lac d'Amer? Les visiteurs en quête de détente trouveront un vaste réseau de sentiers de randonnée de types très différents. De la piste cyclable large et asphaltée au sentier romantique directement au bord de la plage, en passant par le sentier naturel idyllique à travers la forêt ou à travers les champs, tout y est. La baignade est possible dans de nombreux endroits. Les belles auberges au bord de l'eau vous proposent des plages chauds et froids, simples ou plus élaborées, ainsi que des boissons rafraîchissantes, tonifiantes ou réchauffantes. Une bonne infrastructure est prévue pour les vacanciers en van, camping-car ou tente de toit. Place de parking pour randonnée, toilettes, wifi, douche chaude et laverie sur place. Le lac d'Amer. Aperçu des lieux de ce magazine. Le tour de plusieurs jours commence à l'extrémité nord du lac d'Amer, à Eching, et longe le côté ouest en direction du sud, à travers Schondorf, Utting, Riederau, Saint-Alban, jusqu'à l'extrémité sud du lac Addison. En passant par Pell, on arrive du côté est. Au sud, le parcours démarre à Heidenried, puis continue vers le nord, avec un détour par Andex jusqu'à Hersching, passant ensuite par Breitbrunn jusqu'à Stegen, puis par Inning, pour finir par une visite des trois petits lacs à l'est du lac d'Amer. En premier, le lac de Wörth, en deuxième, le lac de Pilsen, et en troisième, le lac de Wesling. Eching. Place de parking de randonnée. Sentier de randonnée. Auberge au bord de l'eau. Toilettes. Wifi. Piscines intérieures avec des douches chaudes. Laveries automatiques. Eching. Le petit village, situé à l'extrémité nord du lac d'Amer, vous offre une grande réserve naturelle au bord de laquelle vous pourrez faire de la randonnée, ainsi qu'une plage très calme. Non loin de la réserve naturelle, où il y a également un parking pour les randonneurs, se trouve une autre plage avec une auberge au bord de l'eau.
La bibliothèque vous invite à la découvrir et à l'explorer. Bienvenue à Eixing, les parkings de randonnée. Parking près du lac. Une partie est interdite d'accès, le reste est toujours gratuit, très calme et beaucoup d'ombre. Parking à la maison de la plage, pour les clients, gratuit et calme. Parking d'Eixing près de la plage. Parking près du lac. Une partie est interdite d'accès, le reste est toujours gratuit, très calme et beaucoup d'ombre. Parking à la maison de plage, pour les clients, gratuit et calme. Parking du restaurant Strandhaus à Mersey, la maison de plage du lac d'Amer. Randonnée d'Eixing à Stegen. Si vous laissez votre véhicule au parking de randonnée d'Eixing, vous pourrez facilement longer la réserve naturelle jusqu'à Stegen en moins d'une demi-heure. Il n'est pas nécessaire d'emprunter la route parallèle à l'autoroute, car un chemin étroit énorme tourne auparavant à droite, de sorte que l'on quitte la route juste avant la fin. La plage, qui est très calme, se trouve à moins de 3 minutes du parking. En allant vers le sud, du côté ouest du lac, vous pourrez rejoindre la plus grande plage avec l'auberge sur l'eau en moins de 10 minutes. Auberge au bord de l'eau à Eixing. Restaurant Strandhaus à Mersey, la maison de plage du lac d'Amer. Restaurant Strandhaus à Mersey, la maison de plage du lac d'Amer. Horaire d'ouverture. Ouvert dès midi par beau temps, fermé en hiver de novembre à mars. Équipement. Tables extérieures et intérieures. Plage. Nourriture et boissons. Snacks, gâteaux, boissons en tout genre. Restaurant Strandhaus à Mersey, la maison de plage du lac d'Amer. Toilette, wifi, douche chaude, laverie à Eixing. Toilette, dans les restaurants, dans les bibliothèques, à la mairie, à la station de train, à la station essence. Wifi, voire pour chaque restaurant, voire pour chaque bibliothèque. Piscines intérieures avec des douches chaudes. À Dissen, Greifenberg, Pöcking, Starnberg, Weilheim, laverie automatique, Landsberg am Lech, Wörthsee, Göttingen, Starnberg, Tutzing. Vue générale des bibliothèques. Piscines intérieures avec des douches chaudes. Laveries automatiques à la fin du magazine.